Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom, c'est l'épisode de Elite Dangerous Horizon. Donc, chers amis, comme vous voyez, livraison d'une unité de marchandises suivant, récompense, on a des matériaux, réseau électrochimique et sélénium. Donc ça, c'est génial. On doit se rendre à l'avant-poste Wang Settlement dans le système HIP 39-470. On va aller voir où est-ce que c'est exactement. Hop, c'est ici. Alors, est-ce que je pourrais refaire afficher. Alors, attendez, 39-470, le voilà. Hop, l'itinéraire. On n'a aucune vue du système à l'heure actuelle, ce qui fait qu'on ne peut pas savoir. On va quand même acheter des données d'exploration. Voilà, à 1000 crédits, c'est pas grave. On peut se le permettre, on va gagner du temps. On va savoir en fait exactement où est-ce qu'on se rend. C'est-à-dire ici. Hop, 1000 crédits, c'est pas un prix épique à payer. On peut se le permettre. Bon. Génial. On y va. On va rendre cette quête. Alors. Enfin, une quête qui nous rapporte un peu plus que... Oula. On se calme. Un peu plus que... Hop, un peu plus que des crédits. On a aussi des composants qui sont la plupart du temps utiles pour les ingénieurs. Ce qui est plutôt une bonne chose donc de les avoir trouvés, tout simplement. Hop. Ok, on accélère. Hop. C'est parti. Pleine puissance dans les moteurs. On n'a pas besoin de mettre dans l'armement pour l'instant, on n'est pas en attaque. Ok, nous voilà partis pour le système en question. Bon. Tu permets ? Est-ce qu'il va avoir eu la capacité de me scanner à cette distance ? C'est ça la véritable question. Vu qu'il ne m'a pas répondu, je me dis que non. C'est parti, on y va. Alors. Pour la petite information, j'ai aussi fait les comptes avec les 15% de réduction du chinois. J'arrive à 12 750 000 crédits à peu près. Donc c'est potable pour un vaisseau de ce niveau, en matière d'exploration. Surtout qu'en plus, voilà, ça va nous changer un petit peu au niveau du gameplay, je pense. Si je le mets en full explo. Oui, bonjour. Pardon, hop, voilà. Nombreux sont les ennemis des Mercy comme dans certains de risque de force de tenter de vous intercepter si cela se produit, minez-les. Vous aurez droit à un bonus. Cible Graeme Wisely. Oh. C'est intéressant. Il y en a un juste derrière moi, c'est pour ça. Manticore, donc non, c'est pas lui. Mais il est recherché, cela dit. Graeme Wisely. Intéressant. Sur le prin. Attendez. D'autres vaisseaux qui sont arrivés là. Type 9 Heavy, Esco. D'accord. Là, j'ai plus rien. D'autres vaisseaux qui sont arrivés derrière moi, je crois. Un explore. Oh là là, il y a des choses qui m'arrivent par derrière, chers amis. Je l'ai fait exprès, la tournure. Hein. Je précise. Pendant, j'ai perdu complètement mon. Hop. Wang Settlement. Voilà, c'est ici. On va pas vite exprès. Service de la Fédération, c'est dommage. Moi qui espérais me faire attaquer. Pour récolter un peu plus de crédit. Esco. C'est sûr que c'est pas plutôt escro. Dexter Samani. Bah écoute. Écoute. Le Vulture qui est là, peut-être il sera un peu plus violent. Il me semble un peu loin pour vouloir m'attaquer de toute façon. Le killback, oui, c'était, il y avait peu de risques.
Le cobra, non. Il y a un python, cela dit. Wild Violet Rose. Que j'ai vierge. Imperial Eagle. Pile dans mes arrières en plus. Wedding Bar, je n'avais jamais vu la famille rassemblée au grand complet. Bonjour. Bouclier de la justice, non. Pas de raison d'avoir peur. Le vulture en question vient de disparaître. Comment on dit, je me dis que ce n'est pas quelqu'un forcément de mauvais. Ça c'est quoi? Dustin Haywood, non. Rien de bien dangereux. Un eagle supplémentaire, mais ça m'étonne vu qu'on est dans une grosse mission qui rapporte. Agent fédéral, non. MK3, il est derrière moi. Hop, c'est presque dommage, honnêtement. Harald Irongut, non. Sidewinder, j'y crois pas. Ok, why not, hein. On va regarder quand même la mission, exactement. Graham et Wisely. 80 000, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Non. Cobra MK3, peut-être. Pas de menace ni rien. Non. 2 kills back. Eh bien écoutez, tant pis pour nous. Song orbital. Par contre, il faut que je retrouve la station en question. Hop, par là. J'aurais espéré. Peut-être qu'on le trouvera un moment où on va se sortir du FSD sur place. Ah ah, ça pourrait être intéressant, remarque. Alors. Aucune insulte, rien. Bon. On pourra pas dire que j'ai pas été patient. Je l'ai vraiment cherché, pour le coup. Mais bon, tant pis. Wang, c'est elle-même. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un devant nous? On va attendre un petit peu, histoire que ça pop. Une nouvelle cible, rien de bien intéressant. On va attendre un petit peu. Quand on sera à 15h11 et 30 secondes en haut à droite. Ah, regardez à gauche. Hop, qu'est-ce que c'est que ça? Un eagle, guetteur du gang de Kumo. Anarchique. Merde, je suis con, j'envoie un truc. Allez, renvoie-moi mes armes. De dons, tu veux des dons? Tiens, voilà mon plus gros cadeau. Mon plus beau cadeau. J'espère que tu l'apprécies à sa juste valeur. Hop, mince, je me trompe de bouton, excusez-moi. Moi qui pensais que mes... Voilà. Mes tourelles seraient plus efficaces. Mettre des boucliers usés. Qu'est-ce que... Ah oui, non, c'est mon collecteur. Ok, excuse-moi, j'ouvre. Rien d'autre? Tu vas crever la gueule ouverte. Non. Non, non, on va éviter. S'il te plaît. Tu peux m'enlever tout ça, s'il te plaît, merci. Crac. On va se déplacer à... Allez, à 10. Il devrait être en mesure de nous rattraper. Rien d'autre qui vient. Parce que j'ai un peu cherché la merde, mais c'était fait exprès, quoi. Je comprends pas. Il y avait moyen d'avoir plus de sous, mais le jeu veut pas me donner plus de sous. C'est violent.
Voilà, j'ai mis le nom de l'épisode du coup. Je le connais. C'est bon, je sais déjà ce que ça va être. Hop. Ok. Bon bah je considère que j'ai suffisamment attendu. Je considère que j'ai suffisamment attendu, bien qu'il semble y avoir une deuxième cible devant nous. Sait-on jamais. On va s'approcher un peu plus vite. Histoire 2. Toujours rien. Hop. Bon, apparemment, y a rien. Hein. Hop, demande d'appontage, s'il vous plaît. Merci, j'ai vu que vous avez hésité l'espace d'un instant, c'était rigolo à regarder. Surtout que je sais que si je tire un bon coup d'accélérateur à plasma là-dedans, normalement ça fait suffisamment de dégâts. Hein. Faut pas se voiler la face. Un bon gros coup d'accélérateur à plasma et tous les problèmes de notre vie sont réglés. Ok, on va essayer d'aller se poser là. Hop. 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 Et avance. Crac. Hop, en douceur, Marcus, en douceur. Pas besoin de te faire du mal. Hop. Oh, quel dommage, on l'a raté. Hop, les, voilà. Donc, service de spatioport, on va pas s'embêter. Hein. Moi qui espérais me faire attaquer, bah écoutez, malheureusement, ce n'est pas le cas. Tableau de mission. On profite aussi pour rendre le contrat sur la tête du bonhomme anarchique, là. On verra bien combien il nous coûtait. Je l'ai eu pour 200 crédits de tir. Maintenant, à lui de me dire maintenant combien il me... Alors. On a augmenté le niveau cordial, donc c'est plutôt bon. Ici, 76, 74, ça grimpe un tout petit peu. Est-ce que vous avez quelque chose pour le système d'Essia? Rien. Rien. Rien non plus. Et rien non plus, vous êtes des gros rats d'un contact. Et apparemment, je peux aller me faire entuber pour ce petit bonhomme que j'ai buté. Ok. Ok. Bon, bah, on se barre. Décoller. Direction, comme d'habitude. Allez. Dessia. Dessia, Dessia, Dessia. Voilà. Hop, allons-y. Pas besoin de respecter le code de la route dans la zone. Hop, allez. On y va. On rentre Berka, y a pas de souci. On a suffisamment attendu qu'on se fasse attaquer par quelqu'un pour que ça n'arrive pas en plus d'ailleurs. Donc pour moi, on est bon à repartir. Il y avait quelqu'un là, bien sur le côté. Python, quel dommage. Quel dommage. Ça aurait été tellement rigolo qu'il arrive après coup. Ça aurait été tellement rigolo. Alors. Alors, alors. On va se rendre à Garé Terminal. Maintenant, faut le trouver sur la liste. Hop. Parfait. On est plus ou moins dans la bonne direction. C'est une bonne chose. On va y retourner. On va bien voir s'il y a d'autres missions à nous fournir sur place. Toujours être sympa. Tant que ça monte, entre guillemets. Si je puis dire. Même si c'est très dégueulasse la façon dont on s'est dit.
Regarde vite fait au niveau des rangs. Je pense pas qu'on trouve grand chose. J'ai vu qu'il y avait quelques moyens de bourrer les rangs. Mais c'est principalement via du don. Et ça m'intéresse pas de donner tout mon fric. Je vais bien en donner de temps en temps, mais il faut que j'en gagne aussi à un moment ou à un autre. Ça marche comme ça normalement. Et sinon, les conseils habituels comme quoi se rendre au niveau des capitales, c'est toujours un endroit plein de missions. Bon. Je pense que les ingénieurs, c'est pas mal non plus. Mais c'est vrai qu'ils sont un peu radins niveau mission dans le coin. Vraiment, il va falloir trouver mieux. Petite question, chers amis, pour ceux qui jouent au jeu. Si vous savez, par exemple, là, actuellement, je suis dans un système contrôlé par la Fédération. Ça veut dire qu'en utilisant. En faisant les missions de chacune des sous-factions, je monte la Fédération ou pas? Ou seulement la première? A vous de me le dire, chers amis, s'il vous plaît. Ce serait vraiment intéressant parce que là, ça, je ne sais pas. C'est un détail que je ne sais pas. Si vous le savez, moi, ça m'intéresse. Merci. Alors. Alors. On y est presque. On y est presque, on bourre pas. Hop, j'ai bourré un petit peu la vitesse. Crac. Voilà, on est bon. Dans le bon sens, s'il te plaît. Et toujours pas. Je me demande si on a déjà vu cette station dans le bon sens dès le début. Ah, you are now in Federation Space. Hop. Hop. Alors, où est l'entrée? Ici. Hop. Crac. Hop. On rentre. 18, c'est où? C'est là. Ok. On est bon. Alors suivant ce qu'il y a comme mission, soit je vais mettre fin à cette première session de la journée entre guillemets ici. Ce qui fait que ça va permettre au... Oula oui. Au comment au jeu de recharger des missions. Et donc je vais étendre les trois petites choses avant et puis après on va revenir dessus après plus tard. On verra bien si ça a changé ou pas. Hop, on est bon. Entrons dans l'hangar, service de spatioport. Gare et terminal. Ok. On fait le plein pour 10 crédits après tout. Why not? Ici. Alors, est-ce que vous avez des choses à nous donner? Des choses intéressantes, bien sûr. Parce que des missions pas intéressantes où on passe plus de temps à voler qu'à... Ah bah déjà, ça commence bien. Il me donne strictement rien. 1600 crédits. Ah, 75 000, ça reste pas quand même pas beaucoup. Ici, 127 000, 190 000, 15 000, 105 000, sachant qu'il y a des missions de minage qui rapportent un peu plus. Uraninite, j'en ai pas. Livraison de données économiques, c'est pas intéressant. Ça rapporte pas. Bon, on va faire comme ça, chers amis. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce, vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom. Ne pas trouver le lien dans la barre de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yop!